très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine, ou le nouveau numéro d'actualité pour ce lundi 26 juillet 2021. Nous sommes en direct au niveau de l'école supérieure militaire de Kinshasa. C'est la cérémonie de la remise des brevets de la première promotion de l'école de guerre promulguée par le président de la République récemment en République démocratique du Congo. Pour ce faire, plusieurs invités des marques, le chef d'état-major général sera ici, le ministre de la Défense nationale sera là également, le président de la République viendra pour clôturer ces moments ici ou participer à cette cérémonie. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser Norcomet suivre les déroulements de cette activité du début jusqu'à la fin, afin qu'on puisse découvrir avec vous ensemble dans cette rubrique de l'ouverture de cet événement. Suivez. Restons toujours debout pour l'hymne national. Arme au pied. Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, monsieur l'ambassadeur de la République française accrédité à la République démocratique du Congo, monsieur le représentant des organismes internationaux, messieurs les attachés de défense, monsieur le commandant général des écoles militaires, messieurs les officiers généraux et supérieurs, distingués invités, tout protocole observé, la République française a dû jouer un rôle essentiel dans la conception, la planification et la réalisation de ce projet pour lequel nous récoltons les premiers fruits aujourd'hui. Excellence, monsieur le gouverneur de Kinshasa, monsieur le chef d'état-major général, messieurs les hauts représentants de l'armée et de la police ici présents, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, je suis très heureux et honoré de participer à cette cérémonie aujourd'hui et j'aimerais, si vous le permettez, rappeler en quelques mots le contexte dans lequel ces cérémonies et ce projet s'inscrivent. Et puis ensuite adresser quelques messages
aux principaux acteurs et responsables de ce beau projet. Le contexte, pour moi, il est simple. Il repose sur trois piliers. Tout d'abord, cela a été rappelé par le chef d'état-major général, le partenariat étroit qui unit et qui s'est renforcé tout récemment la RDC et la France. Et ce partenariat est global. Le président de la République a eu l'occasion de rencontrer, d'échanger souvent avec le président Macron. Et il a été à l'origine d'un certain nombre d'avancées dans ce partenariat qui est global, c'est-à-dire qu'il a une épine dorsale, la sécurité et la défense, parce que sans sécurité, il n'y a ni stabilité, donc ni développement possible, mais qui s'étend à bien d'autres sujets. Et depuis la visite du président de la République, du président Tshisekedi à Paris, à la fin 2019, le champ de ce partenariat s'est étendu à de très nombreux domaines qui sont tout aussi essentiels les uns que les autres. Il convient de noter que la précieuse participation de la France, que nous espérons voir augmenter l'année prochaine, a été bénéfique pour la session 2020-2021. La scolarité de cette promotion pilote s'est étalée sur une durée de 7 mois, comprenant notamment l'enseignement général, l'enseignement opérationnel, deux exercices de planification opérationnelle des 2 et 3 semaines respectives ayant bénéficié du renfort de deux experts militaires en planification, dont un Camerounais pour le premier et un Français pour le second, tous en provenance des Yaoundé au Cameroun. Deux exercices sur la mise en œuvre de l'approche globale. Un voyage d'études à l'intérieur du pays qui a mené la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa à Goma du 22 juin au 1er juillet 2020-2021. Lieutenant-colonel Kasongo Lungula Mathieu. Lieutenant-colonel Lina Tipka Flori. Présent. À moi. À vos ordres. Lieutenant-colonel Mbuyuntanda Claude. Mwamba Amisi Ange. Présent. À moi. À vos ordres. Bernard. Présent. À moi. À vos ordres. Il reste en place et il reçoit les cadeaux du commandant suprême. Le cadeau est là. Nous prions très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Monsieur l'ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, distingués invités en vos titres et qualités respectives, Messieurs les stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa, l'année 2021 consacre l'an 1 de l'existence de l'école de guerre de Kinshasa, voulue par la volonté inébranlable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale du Congo, de doter notre pays et singulièrement nos forces de défense d'un cadre berceau légitime de l'élite militaire.
ces bocades où les valeurs d'exigence et d'excellence s'entremêlent, constitue à ce jour une référence et un vecteur de rayonnement de notre pays. Par cette initiative, les commandants suprêmes de nos forces armées, de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à qui je rends un vibrant hommage pour son leadership affirmé dans la mise en place des stratégies de refondation de notre système de défense et dont l'école de guerre de Kinshasa constitue un des leviers, à considérer que la nature originale d'une armée est conditionnée notamment par les caractéristiques de la société et de l'État d'où elle émane. Qu'il en soit remercié. La fonction de souveraineté incarnée par les forces de défense et de sécurité est un instrument pour affirmer l'indépendance et l'identité de la nation, pour dissuader l'ennemi potentiel. Elle se double d'une autre fonction, celle d'intégration, l'une et l'autre contribuant à la stabilité de l'État et de la nation. Il faut défendre le pays pour assurer sa pérennité. Vous m'avez fait l'honneur de me choisir parrain de cette première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. J'en suis flatté et vous dis du fond de mon cœur merci pour cette marque d'estime et de considération. L'hymne de l'école de guerre de Kinshasa. Une image illuée. L'école de guerre de Kinshasa, au cœur de l'Afrique. Cette école est une conscience éthérée qui émerge là. Où les pieds de la RDC et de toute l'Afrique. Dans la synergie, elle brillera. Notre devise, faire briller nos forces armées. L'école de guerre de Kinshasa, notre devise, faire briller nos forces armées. L'école de guerre de Kinshasa, notre devise, faire briller nos forces armées. Immobile, pour les saluts, la lutte. Monsieur l'honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la France, Monsieur les attachés de défense, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs, Mesdames et Messieurs les cadres de l'école de guerre de Kinshasa, Messieurs les lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectives, c'est un grand honneur pour moi
de saluer votre présence à cette cérémonie marquant la fin de la formation de 25 officiers de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Une cérémonie de clôture, de formation est toujours un temps fort. Elle marque d'une part le début d'une aventure professionnelle pour les personnes formées et d'autre part le couronnement des efforts multiformes consentis par toutes les personnes physiquement parlant qui se sont impliquées dans cette entreprise malgré le contexte général de la pandémie de la COVID-19. La formation que nous clôturons ce jour procède d'une ferme volonté de renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées, l'un des soucis majeurs de notre gouvernement en général et de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo en particulier. L'école de guerre est un haut lieu du savoir militaire où s'apprend notamment la méthode globale de planification opérationnelle ainsi que le processus décisionnel. Notre école de guerre a été créée et mise en service dans le contexte de la situation sécuritaire à l'est du pays, particulièrement dans les provinces sous état de siège, administrées actuellement par le gouverneur militaire. Le contexte s'est trouvé davantage compliqué à la fois par la pandémie de la COVID-19 et les affres de l'éruption volcanique Niragongo, le 22 mai 2021. Que vive l'école de guerre de Kinshasa. Je vous remercie. Nous sommes toujours en direct au niveau de l'école supérieure militaire ici pour la cérémonie qui vient de se dérouler ici. Vous avez vu 25 lauréats pour l'école des guerres, la première promotion dénommée Étienne Wamulumba qui est le nom de la première promotion de l'école des guerres ici décrétée par le président de la République et puis lancée depuis le 5 janvier de l'année en cours. Vous avez certainement suivi comment le lauréat en récit, le brevet également, quelques cérémonies qui ont eu lieu au cours de cette cérémonie. Nous allons prendre également, le président va quitter déjà maintenant là, l'endroit pour se rendre chez lui ou ailleurs. Nous continuons toujours ici parce que nous allons prendre une réaction à chaud qui permettra ce que chaque participant ou bien le bénéficiaire parmi les lauréats, ils vont s'exprimer pour nous donner l'essentiel de ces temps pour le moment.
Alors pour ce faire, on attend la sortie du président de la République après avoir signé le livre qui va entrer dans le contexte de la signature de cette première promotion de l'école des guerres décrétée ou déclarée ou démarrée, lancée à Kinshasa le 5 janvier dernier. Pour ce faire, on va prendre d'abord quelques réactions. Mais avant de prendre la réaction, on prendra la sortie du président de la République et son départ. Et on va y revenir prendre quelques réactions. On va déboucler avec vous ici ensemble. Restez connectés. Armes ! Musique ! Chef de l'État ! Ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Lirez à vos ordres. Faire cette école. Et cette école, ça nous donne une fierté nationale d'abord et internationale. Puisque au niveau de l'Afrique centrale, c'est seulement le Congo qui a cette école-là. Et il y a déjà formé cette unité, cette promotion, pensez-vous, au Mali d'abord, c'est combien des options qui sont disponibilisées pour cette première promotion? Bon, cette première promotion, c'est d'abord, pour moi, c'est une promotion de ses devoirs. Puisque nous avons beaucoup de défis, comme le ministre de la Défense venait de dire. Nous avons des problèmes qui se passent à l'est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, où les lauréats doivent s'apprêter à descendre sur le terrain, étudier les voies et moyens pour bouter hors de l'état de nuire tous les malfaiteurs qui sont en train de détruire notre pays. Pensez-vous qu'il y aura encore deuxième session, ainsi de suite, comme tant d'autres? Oui, ce n'est que le début, hein, puisque le début, vous voyez que le nombre est très réduit. Je crois que le Chelo va augmenter le nombre, il y aura beaucoup de gens, même les pays voisins, même les étrangers viendront étudier ici. Ce n'est pas la première fois que les étrangers viennent étudier au Congo. Merci, mon jeune. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est par ici que nous venons de mettre un terme à cette cérémonie dont nous avions pris part pour vous donner l'essentiel de l'information en rapport avec le brevet qui ont été remis au premier lauréat de l'école des guerres lancé depuis le 5 janvier 2021. Vous avez suivi les différentes cérémonies qui se sont déroulées ici. Le président vient d'être élu, vient de quitter. Vous avez également vu comment ça s'est passé. Restez connectés, à nous revoir très bientôt. Et merci pour votre attention, pour nous avoir choisi, pour vous informer en temps réel. À très bientôt.